Il était une fois un lutin qui s'appelait Pâques. Un jour, au milieu de la forêt, il trouva une caverne pleine d'œufs en chocolat. Le lutin aimait les enfants et il décida de leur en donner. Mais, comme il était trop petit, il ne pouvait pas les transporter. Il décida alors d'aller demander de l'aide aux autres animaux de la forêt. En chemin, il rencontra l'ours. « Bonjour ours !»« Bonjour lutin !»« J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider ?»« Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Avec mes ongles, je casserai les œufs. »« Oh, quel dommage! Au revoir !»« Au revoir !» En chemin, il rencontra le poisson. « Bonjour poisson, bonjour lutin. J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider ?»« Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Si je sors de l'eau, je vais mourir car je ne peux pas respirer. »« Oh, quel dommage! Au revoir! Au revoir !» En chemin, il rencontra un oiseau. « Bonjour oiseau, bonjour lutin. J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider ?»« Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Mon bec est trop petit, les œufs ne rentrent pas. »« Oh, quel dommage !» En chemin, il rencontra une fourmi. Bonjour lutin, bonjour fourmi, j'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider? Je voudrais bien, mais je ne peux pas, je suis trop petite, je n'ai pas assez de force et l'œuf peut m'écraser. Oh, quel dommage, au revoir. En chemin, il rencontra un serpent. Bonjour serpent, bonjour lutin. J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que je m'aurais distribué aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je n'ai pas de main pour les porter. Oh, quel dommage! Au revoir! Au revoir! En chemin, il rencontra un chat. Bonjour chat, bonjour lutin. J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Pourrais-tu m'aider? Je ne peux pas. Je suis trop fatiguée. Je veux dormir. Je n'aime pas travailler. Ne m'embête pas. Va-t'en. Triste et en pleurant, le lutin retourna chez lui. En chemin, il rencontra un lapin. Bonjour lutin. Bonjour lapin. Pourquoi tu es si triste? J'ai trouvé une caverne pleine d'œufs en chocolat que j'aimerais distribuer aux enfants du monde entier. Mais personne ne peut m'aider. Moi, je peux le faire. Comment? Je mettrai les œufs sur ma tête. Regarde. Et avec mes oreilles, je les soutiendrai. Et depuis ce jour-là, c'est le lapin de Pâques qui distribue les œufs en chocolat. Et cette histoire est terminée.